Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Et Rebecca Fitoussi, bien sûr, on ne vous a pas oublié, c'est quelques minutes. À ma gauche, Joseph Agostini a pris le temps de noter et tout de suite, c'est donc votre portrait débrief vu par Joseph Agostini. Bonjour Joseph. Bonjour Chérielle, bonjour Rebecca. Bonjour. Alors, il y a vraiment une détermination farouche qui a émané de cette interview. Je dirais qu'il y a une honnêteté intellectuelle qui ne peut que frapper à vous écouter, car elle est rare. Hein. Et voilà, ce qui est frappant est rare et elle exige qu'on ne concède pas sur une éthique d'informer. Alors, je dirais qu'il y a informer et informer, au fond, hein, voilà ce que vous nous avez dit en substance. Informer en étant au plus proche de la réalité historique, sociologique, psychologique. Ou alors se laisser un peu dévoyer quand même par les sirènes du scandale, du voyeurisme, de l'instantanéité et se perdre. Donc au final, le fil rouge, l'éthique, ça permet de ne pas se perdre. Oui, c'est possible. Et puis, non, je pense que honnêteté intellectuelle, alors je vais paraître pas humble du tout en le disant, mais c'est ce que je recherche en tout cas. C'est ce que j'essaye d'être. Et ça suppose de beaucoup se remettre en question. Et ça, c'est vraiment un leitmotiv dans ma vie. Et j'apprécie d'ailleurs les gens qui se remettent en question. Et notamment les soignants, justement. On parlait des soignants, mais voilà, qui acceptent de dire qu'ils ont aussi des défauts, qui sont pas juste des sachants. Enfin voilà, j'aime cette idée de la remise en question pour toujours être meilleur. Voilà. Donc une remise en question perpétuelle pour s'améliorer soi-même. C'est fatigant, hein, mais j'essaye. Alors, vous nous l'avez dit, l'antenne vous a happé. On a voulu de vous à l'écran malgré votre fatigue et vos 10 kilos en trop. Alors, en vous écoutant, je me disais quand même, comme si le destin, le désir n'avait pas de limite, comme si on ne pouvait pas échapper à sa ligne de vie. Vous voyez, dans mon métier, je croise des patients qui vont vers leur désir, mais de manière quand même plus naturelle que certains autres, qui savent à quoi leur désir ressemble, qui ont une flèche et qui visent droit. Mmh. Et vous me faites penser à eux. C'est vrai ? Ouais. Je précise, pour les 10 kilos, j'en avais pris 20 pendant ma grossesse quand même. C'est bien. Voilà, j'ai pris 20 kilos à chacune de mes grossesses et c'est juste qu'effectivement, un mois après, j'en avais quand même perdu 10. Oui, du coup, je ne sais plus quelle était la question, pardon. Non, alors vous visez droit, toujours. Et il y a une espèce de désir qui est très clair, au fond. Le désir de faire de l'antenne, par exemple. Vous êtes bélier, non ? Oui. Ouais. Voilà, c'est ça. Alors, le désir de l'antenne, c'est vraiment arrivé par hasard. En fait, je vais vous dire très sincèrement, j'ai été piquée au vif quand, au moment de mon congé maternité, j'apprends qu'il y a des gens qui se présentent au casting d'LCI, que j'ai moi-même formé au desk ou à l'assistanat d'édition. Ouais. Et je me dis, bah non, mais je vais pas, moi, être l'assistante de ces gens que j'ai formés. Il y a eu un excès d'orgueil, quelque chose comme ça qui m'a boostée. Je me suis dit, bon, bah, j'en ai parlé à mon conjoint. Je lui ai dit, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que je tente? Il m'a dit, vas-y, tente. J'ai tenté. Mais vous voyez, c'était pas écrit. C'était pas évident. C'était pas évident. Alors, la télégénie au corps et l'éthique en bandoulière, vous proposez un documentaire sur la maternité. Alors Rebecca, je ne peux que penser à ce que dit Françoise Dolto, de ma place de psychanalyste bien sûr, la célèbre pédopsychiatre, qui disait « Les enfants choisissent leurs parents ». J'ai toujours trouvé cette phrase étrange et en même temps très réaliste quand on y pense, parce que d'inconscient à inconscient, de peau à peau, le destin dont je parlais à l'instant est scellé avant même la naissance, peut-être, dans une sorte de reconnaissance au-delà de nous-mêmes. L'enfant et la mère, comme un jeu de miroir parfois terrorisant, un vertige, nous avez-vous dit, de donner la vie et la mort, mais aussi un vertige de les recevoir. Après, je rebondis aussi ce que vous disiez dans votre chronique humoristique, c'est quand même une rencontre. Oui. La mère et un enfant, on ne le connaît pas cet enfant, on l'a porté pendant 9 mois, certes, mais on le découvre complètement et effectivement, on découvre sa personnalité, son tempérament, qui seront quand même indépendants de vous et qui seront liés à un entourage, un père aussi, ou voilà, une tierce personne. Et c'est le choc d'une rencontre, vraiment, une mère et son enfant. Moi, je l'ai dit hier aussi, je le répète, quand mon fils est sorti de mon ventre et qu'il est né, c'est tout bête, mais il était très blanc de peau et très blond. Et quand on me voit, je suis très brune et très mate de peau, ça a été un premier choc. Je me suis dit, c'est pas possible, il sort de moi, non, mais il me ressemble. Il y a une erreur, voyez, la maternité, on a l'air. Et ça fait partie des petits chocs, des petites surprises qui tout d'un coup brouillent la rencontre. Quoi. Alors Rebecca, vous avez été très touchante et encore une fois très sincère lorsque vous nous avez parlé de votre enfant à vous. Vous avez dit « Du lait sortait de mes seins et j'avais 26 ans ». J'ai vraiment pensé à ce célèbre poème de Paul Valéry « Le vent se lève et il faut tenter de vivre ». Il y a vraiment cette idée que vous ne sacralisez pas le journalisme, que vous ne sacralisez pas la maternité. Non, vous vivez simplement au cœur des idées du monde et pour cela,
Merci. Merci, c'est beau, merci beaucoup. Bien, oui, très merci bon. À vous, Joseph Agostini. C'était un très bon moment, comme toujours. Merci. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission déjà, Rebecca Fitoussi. On découvre votre documentaire Maternité le Grand Saut sur Téva ce soir à 22h50. Merci pour cet échange. Un petit mot de la fin. Oui, regardez ce documentaire parce qu'il est authentique. On a quatre femmes qui nous livrent quelque chose de rare, de merveilleux, de très vrai, de très franc, de très authentique, de très pur, je pense. Et vous avez beaucoup parlé de maman dans cette émission. Un petit clin d'œil parce que je crois que la vôtre aurait été très fière de vous, Rebecca. Ouais, j'espère. Merci à l'artiste Caroline Estremo pour son spectacle J'aime les gens, à retrouver à la Nouvelle Scène à Paris tous les mardis à 21h et en tournée partout en France. On retrouve également son livre Allez, ça va bien se passer chez Fertz. Merci beaucoup d'avoir été mon coup de cœur sur Radio J, à la réalisation audio et vidéo, Benjamin Arnaud et Clément, Diane Bismuth pour l'aide à la préparation de cette émission. Merci beaucoup Nicolas Raffal pour cette première aujourd'hui, Nina Azoulay bien sûr. Notez d'ailleurs que vous pouvez réécouter nos invités, nos rubriques sur le site officiel de Radio J, radioj.fr, YouTube, toutes les plateformes de streaming. On se voit demain, bien sûr. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.